en forme pour l'entraînement du jour 16. Travail isométrique. 45 secondes de travail, 15 secondes de récup, 4 séries de 4 mouvements pour un total de 20 minutes. Voici les 4 mouvements du jour. C'est parti. C'est parti. On va commencer mouvement 1 avec 3 mouvements. On va venir en squat sur des toutes petites répétitions moitié inférieure ici. On descend. On peut venir placer les mains au niveau des cuisses ou déjà ramener les bras devant. Marchez sur le sol, posez les genoux et descendez comme ceci avec les mains à l'extérieur des épaules. Les coudes poussés vers l'extérieur et vers l'arrière. Posez le bassin au sol. Levez maintenant les coudes vers le haut. Et on peut réaliser de petites ouvertures ici. Stop, posez les mains au sol, les genoux au sol. Et on reprend des petites répétitions en pompe. La poitrine hauteur des coudes. Stop. En arrière, on écarte les pieds et on revient sur des petits squats. On garde les pieds larges, à chaque fois c'est pour la transition. Placez les mains au sol. Stop. Et on remonte. Deuxième mouvement. On va venir joindre les deux pieds comme ceci. On va venir lever les bras. Inspirez. Descendez. Fléchissez bien vos hanches. On reste sur une pose statique. 3, 2, 1. Ici, je pousse le pied droit en arrière. Je tire mes bras vers l'extérieur. Je garde mes deux épaules à la même hauteur. Et on reprend ici les deux bras vers le haut. On descend sur la pose de la chaise. Puis ensuite on repart sur la pose de l'avion. Je tire le pied gauche en arrière. Je reviens doucement vers le bas. Je garde ma poitrine bombée. Et on revient ici sur les deux pieds, levez les bras. Gardez une position allongée au niveau du dos. Normalement ça doit chauffer au niveau du dos. Toujours 45 secondes. On arrive au bout. Remontez, relâchez. On est parti en planche. Placez la main ici face au sol. Les coudes sous les épaules. Allongez un bras devant. Hop. Placez le devant, restez et ramenez. Poussez la main devant et ramenez. On essaye de garder les épaules à la même hauteur. Si difficile ici, n'hésitez pas à placer vos genoux un peu plus proches. Faites bien attention à garder les abdos hyper forts. Encore. Il nous reste 15 secondes. Soit ici si vous êtes à l'aise. Dernière fois. Revenez sur les deux mains. Les deux bras, posez les genoux et relâchez. Quelques instants, on va revenir en planche. Mais cette fois-ci, on va venir basculer d'un côté et de l'autre. Attention, on ne creuse pas le dos, on garde les abdos forts et on bascule à droite, à gauche. On va aller doucement d'un côté et de l'autre côté. Un peu plus vite. Ici, soit je pose le genou au sol, j'allonge une jambe puis l'autre en twistant le bassin. Ou alors ici, vous pouvez aussi accélérer et marcher en même temps. Choisissez l'option 1, l'option 2, l'option 3 ou l'option 4, je marche. Vous avez aussi la possibilité de marcher moins vite si vous voulez. N'oubliez pas, on peut venir sur ça et twister. D'un côté, puis de l'autre, deux de plus. Ok, on relâche. Premier tour validé, revenez debout. Squat, dans un premier temps. Puis ensuite, pompe. Et ensuite, les extensions. On y va ensemble. Écartez bien les pieds, descendez. 6, 5, 4, 3.
droit des genoux ici au-dessus des orteils. Stop, marcher sur le sol. Et ici, vous avez la possibilité d'être sur les genoux. Vous avez la possibilité aussi d'être un cheveu plus haute ou sur les pieds. Descendez au sol, fléchissez les genoux. Des petites extensions, je contracte les fessiers, je pousse ici, mes genoux décollent du sol. Main au sol, genoux au sol, on repart sur les petites répétitions. Encore. 3, 2, 1. En arrière, pieds larges, des petits. En bas, la poitrine haute, les bras devant ou les mains sur les cuisses. Stop, on relâche. Prêt ? On renforce toute la sangle abdominale. Donc, on va travailler le dos. Levez les bras. Inspirez. Boum. On redescend. Hanche basse. Les quadriceps sont sous tension. Les fessiers sont sous tension. Tout le dos est sous tension. Je tire le pied droit en arrière. Et je descends la poitrine vers le bas. On regarde devant soi. Ou juste un petit peu devant. Replacez les mains. Haute. Gardez les hanches. Basse, éloignez les mains loin des hanches. On repart. Pied gauche. En arrière. Resserrez les omoplates. Glissez les omoplates en direction du bassin. Ok, dernier mouvement. On lève les bras. Je veux un alignement du dos et des bras. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et on relâche. Très bien. Passage au sol. Bon, cette fois-ci, je le fais de face. Genoux, rapprochés, éloignés ou sur les pieds, mais dans tous les cas. J'essaye d'avoir les genoux larges ou les pieds larges. Si à un moment donné, vous sentez une mauvaise tension à ce niveau-là, surtout réduisez votre option de difficulté pour pouvoir tenir sans vous faire mal. Absorbez au maximum le ventre. Et rien qu'en restant sur les genoux, avec cette intention d'absorber le ventre, on aura un engagement très fort. Allez, on y va. On peut bien sûr poser la main devant. Allez, encore une fois. Dernière. Stop. Posez, relâchez. Prêt. Sur les coudes, sur les genoux et on alterne. Hop, on lève. On pivote les jambes dans le bassin en gardant le dos allongé. Pose, lève. Soit ça. Soit ça. Ou alors la marche. Et on marche, et on marche, et on twist le bassin. Attention, si je me mets à marcher, mais que mon dos n'est pas solidement allongé, le ventre n'est pas assez rentré, contracté, je peux avoir une douleur. Écoutez-vous, si à un moment donné vous sentez cette petite douleur, surtout revenez sur les genoux et concentrez-vous sur votre ressenti. Restez en planche. Restez en planche. Allez. Récupération active. Option 1. Vous avez le temps de boire si vous voulez. Vous avez le droit de boire. Sinon, on tient. Coup de sol, genou au sol. Ou alors, coup de sol, pied au sol. À vous de voir. Juste après, il y aura les squats. Il y aura les pompes. Et on est prêt mentalement pour ça. Allez, 5 secondes de plus. 4, 3, 2, 1. Stop. Debout. Prêt. Et on y va. Les squats, genoux larges, les bras devant. Maintenant, c'est du sérieux. Il reste 10 minutes. Venez par ici. Hop, on descend. N'hésitez pas ici à rapprocher les deux pieds ou les deux genoux. Bassin au sol.
Je lève les bras, je fléchis les genoux et je lève. Juste des toutes petites répétitions ici. On engage les muscles du dos. On regarde devant soi. Stop. Main au sol, genou ou pied au sol. On reprend. Des petits en bas. Allez. Juste des petits en bas. Stop. En arrière. Pieds larges. Des petits en bas. Encore. 4, 3, 2. Hop là. Non, je vais rester là. Lève les bras. Et on est reparti. On ne bouge plus. Les mains loin vers le haut, les hanches loin vers le bas. Pieds droits derrière. Tirez les bras vers l'extérieur. Les omoplates vers l'arrière. On reprend les deux pieds au centre. On garde les hanches basses. On garde vraiment tout le corps tonique. L'intention de lever les mains le plus haut possible. Tirez le pied gauche en arrière. Descendez la poitrine vers le bas. Allez, on reste. Quelques instants. Restez bien fort. Sentez comme vous êtes solide. On descend. Oui. 2 secondes. 1 seconde. Et on relâche. Passage au sol. Par ici ou par ici? Allez, par ici. On pose. Main toujours tournée vers le sol pour se stabiliser. Encore. 3, 2, 1, change. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, change. Dernière fois, on va rester statique. Les deux coudes au sol. On resserre les pieds, on reste. On resserre les genoux. Contractez les fessiers. On tient ça. On tient bon. Stop. On relâche. Allez. On essuie un peu la transpiration. On passe court. On se dépense beaucoup ici. Prêt? Choisissez votre option. Dès le départ, on peut venir sur les twists. Et on pose un pied puis l'autre. Ou alors comme toujours, un pied au sol, un genou au sol. Et on twist. Allez, 25 secondes. Allez, continuez 15 secondes encore. Un gros travail sur le centre ici. On sent bien les obliques avec les twists. Sentez le bas et l'extérieur des abdos. Ok, stop. Relâchez. Allez, deuxième tour. Ah, pied large. Cinq, quatre, trois, deux, un, marche et pompez. 6, 4, 3, 2, 1, passons au sol. Genoux fléchis et les deux bras décollés. On décolle la poitrine, on décolle les genoux. On lève, on pose. Reprenez les pompes en bas milieu. Allez, jamais d'options trop difficiles, on s'adapte, repartez sur les squats, des petits squats, on va jusqu'à 8 cette fois-ci, il en reste 4, il en reste 3, 2 et 1, stop. Ok, c'était la dernière fois qu'on faisait ce mouvement-là, enfin ces 3 mouvements-là, et on repart ici, les deux pieds joints, toujours plus fort que jamais, levez les bras. Hey, boum, on descend. Les mains bien loin. L'intention est tellement importante ici. Tirez le pied en arrière. Équilibrez-vous. Fléchissez la jambe d'appui. Tirez les
bras en arrière, descendez la poitrine même si elle est bombée. Levez les bras ensuite. Inspirez en levant, expirez en descendant. Allez, grandissez-vous, même en position basse. Pied gauche derrière, tirez le pied gauche. Allez, on y va. Allongez-vous de toute votre longueur. On remonte les bras. Et on descend. On descend. Et on relâche. Deux étapes. 2 fois 45 secondes et ce sera tout. On y va. 3, 2, 1. Let's go. Bras devant. Pause. Bras devant. Pause. Sans pivoter. On pivotera après. On garde le bassin face. Attention. Je vous vois. Je vois le bassin qui tourne. Allez, vous placez le face. On continue. On a accéléré le mouvement cette fois-ci. Bras devant. Pause. Bras devant. 20 secondes. On veut faire le mouvement proprement, surtout proprement. N'hésitez pas à vous adapter pour continuer à travailler. Dur, mais proprement. Allez, encore deux fois. Une dernière fois. Voilà. Les 15 secondes et on repart. Let's go! Est-ce que ça vous donne envie de danser? Écoutez la musique, suivez le rythme et on y va. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. 30 secondes, on va pas les voir passer. Promis, on va pas les ressentir. Enfin, un petit peu quand même. Allez, 25 secondes, on y va ensemble. Gardez les deux pieds rapprochés. Les 15 dernières secondes. Ensemble. Encore. Allez. Excellent travail. Jusqu'au bout. Allez, les 5 dernières secondes. On y va. Ouais. Stop. On bouge plus. Une minute. Pourquoi faire? Pour récupérer? Ok, ça me va. Tu peux récupérer. C'est une alternative parmi deux alternatives. La deuxième, c'est je reste en planche. On l'avait fait sur la séance précédente. Alors on saura le faire sur cette séance-là. Oui, mais sur la séance précédente, on ne venait pas de faire deux planches d'affilée. Donc forcément, c'est plus dur. Mais de séance en séance, vous devenez de plus en plus fort, de plus en plus solide. Alors je sais que vous pouvez le tenir. Les 15 dernières secondes. Allez, on le fait ensemble. Ensemble. 10 secondes. Oh. 3, 2, 1. Ouais. Ouh. Et ben voilà. Ça c'est fait. Très beau travail. Croisez les doigts. Inspirez. Poussez vers le ciel. Expirez. Venez vous incliner sur le côté. On inspire, on se grandit au max. On expire. Et on repousse les deux mains. Vers le ciel et vers la droite. Ouvrez les bras. Et recroisez les doigts devant. Expirez, enroulez le dos. Ok, on a pas mal travaillé les épaules, c'est vrai. On va les étirer. Relâchez, alternez, inspirez, expirez. On va aller un peu plus loin ici. Inspirez, posez la main gauche. Expirez et descendez. Ouvrez davantage, regardez vers le haut. Sentez cet étirement au niveau des obliques. On doit le sentir si on a bien travaillé les obliques. On a bien travaillé les obliques ou pas? Allez, nouvelle fois, repoussez vers le haut.
Inspirez bien fort et expirez. On va terminer debout. Allez, venez debout. Hop là, on attrape le pied. On attrape le deuxième pied. On étire un petit peu les quadriceps. Talon droit devant. Petit étirement léger. C'est pas ce qu'on a travaillé le plus. Écartez les deux pieds. Étirez les adducteurs. On change de côté. Les fessiers aussi. Oui, on les a travaillés. L'autre côté. Et voilà. MadFit Team, bravo. Entraînement du jour 16. Validé. Je suis fier de toi. Tu peux être très, très fier de toi. Aujourd'hui, on a bien renforcé toute la sangle abdominale en profondeur. Demain, on va taper dans les jambons comme jamais. Jambons ! Seras-tu capable d'aller au bout de l'entraînement ? Je te souhaite une bonne récupération. Et à demain pour l'entraînement du jour 17. Renfort bas du corps et cardio. D'ici la bonne récup. Restons chez nous, bougeons chez nous. Allez, salut !